Alors la gestion de l'espace dans une tiny, on gère pas au mieux, on gère au moins pire. Mais d'essayer de m'imaginer vivre dans si petit, c'était quasiment impossible. La seule chose qui était sûre, c'est que je pouvais pas tout mettre dedans. De quoi je vais me passer, c'est un long travail, parce que certaines choses auxquelles je tenais ne pouvaient pas tenir dans la tiny. Il a fallu inventer. Donc la tiny, c'est un espace qui, à force d'être tout petit, est obligé de se modifier en fonction des besoins des habitants qui, eux, sont mobiles. Tout ce cheminement, je l'ai décrit dans un livre qui s'appelle « Mes nuits sauvages ».